présenté comme un jeune combattant à fort potentiel, avec un avenir prometteur. Du haut de ses 13 ans, Jess enchaîne les combats avec autant de force que de succès. Le fruit d'un travail intensif et rigoureux en entraînement. Je m'entraîne au club déjà, lundi, mercredi, vendredi. Ça dépend des jours, parce que parfois on fait du renforcement, parfois on fait des combats entre nous. Et ça dépend aussi des compétitions, parce que pour des interclubs normales, on va s'entraîner normalement, mais pour les championnats, on va beaucoup plus s'entraîner. Un jeune espoir avec comme ambition de devenir le meilleur de tous les temps. Avec ses succès à répétition, Jess fait déjà figure de valeur sûre dans sa discipline. Une grande satisfaction pour son coach. Il est déjà champion de Mayotte, champion de France en low kick et maintenant il a aussi gagné la Coupe de France. Donc ça montre vraiment qu'il a beaucoup de potentiel. Là on essaie de le faire travailler au maximum pour essayer de le faire monter en niveau, pour le préparer au moins pour d'ici 4 ans pour qu'il puisse au moins faire le plein. Parce que pour l'instant, il n'a que 13 ans. Il a le potentiel pour pouvoir faire les combats en plein, mais on essaie de le préparer au mieux. Pour essayer de le faire évoluer pour les prochains championnats et qui sait, peut-être même le faire remarquer par rapport à l'équipe de France pour voir si on ne pourrait pas le placer pour qu'il puisse évoluer encore plus au niveau national. Pérenniser ses victoires au niveau national, un objectif réalisable au regard de son parcours jusqu'à présent prolifique. Un résultat qui est aussi la récompense du soutien de ses parents. C'est tout un accompagnement qu'il faut à la fois des encadrants et bénévoles, il faut surtout le dire, et des parents, surtout de sa mère qui est là tout le temps derrière eux, qui les accompagne, qui les booste. Et moi, en tant que père, j'ai un rôle moral à accompagner, bien sûr, c'est tout à fait normal. Un soutien indéfectible des parents, auréolé d'autres titres dans la fratrie. La sœur de Jess étant sacrée champion de France et son frère vice-champion de France, tous deux en 2023. Autrement dit, une affaire de famille en or.